seul, on a les deux chemins de fer. Dans ma tête, y'a pas à faire. Comme des bouquets dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. J'ai mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas bon. Allô maman, bobo, j'ai une chanson pour toi. Merci, c'est Alain Souchon. Quand on a parlé de Cheverny, je me suis dit, mais Cheverny, Alain Souchon. Ah, et voilà, je me suis dit, bah, on va inviter Alain Souchon. Et puis voilà. Il était là. Il était là déjà depuis 2 ans. C'est vrai. Il a dormi là depuis 2 ans, s'il attendait la soirée ce soir. Oui, il y a 2 ans, c'est vrai. Alors nous, on se connaît depuis longtemps avec Alain. Oui. On s'est rencontrés... Un festival de spa en 1902. C'est toi qui as gagné, moi j'ai rien dit. Oui, je sais, bon, tu as gagné l'estime de tout le métier. Bien vu. Et puis, voilà, c'était encore mieux que gagner The Voice, parce que ça, quand même, une candidate de The Voice. Oui, on a une candidate. Ouais. Et donc, on se connaît donc depuis longtemps, et puis on a traversé toute cette période de chansons ensemble, en s'estimant mutuellement, ouais. Parce qu'on regardait les chansons que faisait l'autre, et Alain m'a toujours dit, il y a une chanson de toi que j'aime beaucoup, ouais. Et moi, il y a beaucoup de chansons de toi, Alain, que j'adore, je ne l'ai jamais dit comme ça en public devant toi, mais Laurent Voulzy et toi, vous êtes mes chouchous. Ah, ça c'est bien. Alors Alain me dit, mais alors pour cette soirée on pourrait peut-être chanter une chanson ensemble. Et voilà, il a choisi la chanson, il m'a dit tout de suite Mélancolie. Et c'est une chanson que moi aussi j'aime beaucoup. Alors voilà, je t'invite. Tu chantes quelques fois avec Véronique Sanson et là je prends la place de Véronique. Voilà, exactement. Mais bon, voilà, on aurait pu faire un trio. Exact. Mais bon, Féro, en ce moment, a quelques soucis, on va dire. Donc, moi, je suis très heureux d'être là avec toi et finalement à ton invitation. Ah, tu es gentil. Il faut le dire parce que là, c'est Alain qui a animé la soirée d'il y a 2 ans. Donc. Oui. Alors, je vais essayer de t'accompagner à la guitare pour la première fois de ma vie. Il y a des jours où quand le jour se lève, on voudrait en retourner dans son rêve. Il y a des jours où quand le clocher sonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Alors on ferme les yeux un instant, quand on les rouvre tout est comme avant. Les gens vous voient mais leur regard. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Comme au milieu d'un cinéma désert, on rembobine et tout passe à l'envers. Et quand on pense aux gens qu'on abandonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. La, la, la. On voudrait rentrer tout au fond du rêve. Et
s'endormir lorsque le clocher sonne. Il y a des jours où l'on n'a plus personne. La Merci beaucoup, merci Alain Souchon.